Voici le nouveau Macorlan, flambant neuf, ambiance moderne, mélange de métal et jeux de lumière. Après un an et demi de travaux, la salle mythique de Brest reprendra du service en septembre prochain. On a voulu travailler sur une salle la plus polyvalente possible, c'est-à-dire que l'idée c'est qu'on puisse faire aussi bien de la danse que du théâtre, que de la musique, que du cinéma. On travaille notamment assez souvent sur des soirées thématiques où on passe de l'un à l'autre assez rapidement, donc il fallait vraiment qu'on ait un outil qui soit très fonctionnel pour cette polyvalence artistique. 469 places, une scène agrandie, le Macorlan n'a pas toujours été une salle de spectacle. Construite en 1960 sous le nom de Paris, elle faisait alors le bonheur des cinéphiles. En 1982, elle est rebaptisée Atalante par la municipalité qui vient d'en faire l'acquisition. Des grands noms du 7e art passeront dans cette salle. Pierre Etex, Frédéric Rossif, Jean-Jacques Benex. Aujourd'hui relifté, le Macorlan se tourne encore davantage vers son public. On ne va pas être uniquement dans une logique de programmation, on va programmer effectivement un certain nombre de spectacles, mais on va aussi permettre à des projets d'habitants de trouver un outil qui leur permette de se développer correctement. Salle d'exposition, loge d'artistes, foyer agrandi, autant de nouveautés qui rendent le Macorlan plus accueillant. Pour les curieux, rendez-vous ce week-end pour découvrir la nouvelle salle. Et les portes ouvertes au Macorlan auront lieu ce samedi et dimanche de 10h à midi et de 14h à 17h.